Hey yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Avec cette vue magnifique. N'est-elle pas? J'ai failli faire une bêtise moi. Alors, j'ai doublé, comme vous pouvez voir là-bas, la production d'électricité. Donc on est passé de 8 à 16 centrales. Ça tourne jusque-là très bien. Et on a une très bonne prod, on arrive, je crois, soit on a dépassé le gigawatt, soit on est vraiment à peine en dessous. En production, pas en consommation. En conso, on doit être au demi-giga. De toute façon, on va aller voir ça, on va aller voir un petit panneau. Oh, mais il pleut, dit, dans ce désert. Pourquoi tout arrive? Magnifique. Production un peu plus d'un gigawatt, conso max un peu moins d'un demi giga. Donc on a encore de quoi parvenir. Ah ouais, plus sympa, c'est bien ça. Ça va faire pousser la végétation ou pas? Parce que je me disais un peu de pluie, ça ferait pas repousser la végétation, non? Et ben apparemment pas du tout. Rien qui pousse. Rien. Tu me diras, c'est un désert. Alors. J'étais en train de me dire que, bah maintenant qu'on a fait toute la partie fonderie, pourrait être intéressant. Pourrait. Hein. De... Ah oui, ça a bien produit. De faire... Ah, tout simplement la partie production. Pour ça. Comme je vous disais, je vais faire un système d'étage. Enfin, je pense faire un système d'étage. À étage, plutôt. Ouais, c'est mieux. À étage. Et je vais devoir de 1 construire ce qu'il faut pour aller sur l'étage. Enfin, construire l'étage, quoi. Et de 2... Bah, construire les machines de l'étage. Là on avait quand même 90 x 280. C'est qu'il y a une énorme consommation de lingots d'acier là pour pas grand chose ici. L'acier c'est gourmand hein, d'acier tout ça. Hein. Vache. D'abord je veux voir à peu près la largeur que ça prendrait. Que ça prend là les machines, ça prend pas grand chose, mais parce que forcément les recettes sont plutôt simples. Mais sinon, alors attendez, je vais faire un petit papier là. Ouais, il est tôt le matin, on voulait pas, c'est pour ça que c'est un peu plus long que d'habitude, enfin, parce que c'est vraiment plus long que d'habitude. C'est que je veux savoir quelle longueur maximum j'ai. Alors, je vais avoir besoin de moteurs. Moteur, c'est via l'assembleuse. Manque rotor. Ah, zut, ouais, par contre, il manque des trucs pour faire les usines, ça va être compliqué. Je vais chercher ce qu'il faut. J'ai plus de rotor? Ah ouais, non, mais c'est vrai que j'avais utilisé un paquet justement pour les tout ce qui est électricité, la centrale et pompe à eau. Donc disons qu'on a l'assembleuse, pas le bon côté, voilà, comme ça. Vache, c'est grand ça. On a 3 assembleuses avec les moteurs. Ça produit 5 moteurs par minute. Oh, c'est terrible. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Il faut du stator du moteur. Du stator du moteur. Du rotor du stator plutôt.
alors. Ma question c'est, est-ce que, si par pur hasard je mouille comme ça, est-ce que c'est bon? Ouais, ça aurait été trop beau. En vrai là par contre je pense que c'est bon. On est même large? Ah non, pas tant que ça. Ok. Donc rotor stator. Non, c'est de l'assemblage, ça aussi de l'auto restateur. Ah, c'est terrible. Ouais, je vais aller chercher ce qu'il faut alors. Je vais aller chercher ce qu'il faut et on va pouvoir voir combien on va devoir construire tout simplement. Je sais plus ce qu'il faut pour l'auto restateur. Pour les rotors, je veux dire. Pas des plaques de cuivre. Si, c'est ça. Allez. Il faut 8. Parce qu'en fait, je pense que la prod de moteur, ce sera vraiment le truc qui sera le plus. Plus en longueur. C'est ce qui demande bah la plus c'est ce qui demande le plus de composants hein, tout simplement. Bon, là, je suppose que ce sera pareil. Ce sera pas bon. Si je le colle ce sera pas ok. Bon, c'est même pire parce que c'est plus gros. L'air correct là. Ouais, c'est correct. Donc on a du rotor stator. J'ai bien mis moteur ici. Ouais. Ensuite, c'est là où ça se complique. Pour les. J'ai quoi ici? Pour les rotors. Voilà, on va commencer par les stators. Pour les stators, il faut des tuyaux en acier et du fil en du fil électrique. Donc admettons que là on ait une prod de tuyaux. On a une prod de fil. Attends quoi, il faut des tuyaux en acier. Oh la vache. Ça va coûter une blinde. Et pour le rotor, il faut des tiges de fer. Et des vis. Ah ouais, non mais c'est un sacré délire. Et encore, c'est le début. Hein. Tuyau en acier, bah là, grosso modo, il faut un constructeur pour les. Bah non, c'est bon. Tuyau en acier, ça prend de l'acier. Fil électrique, ça prend du lingot de cuivre. Tige de fer, ça prend du lingot de fer. Et vis, ça prend des tiges de fer, donc il faudra on va dire une épaisseur, j'appelle ça une épaisseur. Une épaisseur en plus.
Donc mine de rien, on arrive à une petite épaisseur assez conséquente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dirais 10 avec de la marge. 10 fondations de longueur, c'est énorme. Ouais, je trouve ça énorme. Fondations de longueur là. Ouais. Je sais même pas, je suis même pas sûr que j'ai ce qu'il faut au final. Parce qu'on est sur du 10 de longueur, donc c'est combien de largeur? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33. On est sur du 330 fondations à rajouter. 330! Ça me fait 1600 béton et 660 plaques. Je crois que le 1600 béton... Quoique après ça a un petit peu tourné en prod. Les plaques par contre j'en produis pas. Plaques de fer normal, ça fait longtemps que je n'ai pas produit. Je sais pas si est-ce qu'il faut... Sachant qu'il faudra qu'il m'en... Il faudra qu'il m'en reste quand même. Ah oui c'est ça. C'est bizarre ça doit pas avancer. Si si. Ah ok, ouais bon j'en ai quelques-unes. En plaque j'ai ce qu'il faut. Je vais monter aller chercher un peu du béton. Normalement ça a tourné un petit peu, ça fait plein. Oh oui, oh c'est bon. Et on va faire un deuxième étage. Ouais, on avait dit 10. Ah bah allez, c'est parti. Hein. On va commencer où? C'est toujours la bonne question ça. On va commencer ici. Ouais. Voilà. Faut que ça soit suffisamment haut et pas trop non plus. Oh, c'est chiant. Bon, déjà. Faudrait que je fasse un accès. Ouais, je vais faire un accès sur le côté. Un peu bête ça. Ouais, je boucherai le câble électrique un peu plus tard. Parfait. Oh, c'est parfait. C'était pas calculé, mais ça arrive. Ça arrive parfaitement, c'est à ce niveau-là. Au niveau de la hauteur, je pense que c'est bien. Et plus qu'à... Alors j'ai testé quelque chose, mais...
Alors pourquoi quelque chose à étage? Tout simplement parce que bon là même si on... Oh, on l'a peut-être débloqué. Attendez, je finis la longueur. Et on va voir si je l'ai débloqué ou pas, je ne sais pas du tout. Si je l'ai débloqué, c'est bien. Hop. On est où? On est... Ok, encore un. Ouais, faudra que je... Que je coupe l'arbre. Voilà. Alors, je crois que j'en ai un qui est allé se planquer où il faut pas. Voilà. C'est qui me semble qu'en logistique... Ah on l'a pas. Ah c'est dommage. Faut le débloquer d'une manière spéciale. Ah j'ai l'impression qu'il faut le débloquer d'une manière spéciale. En fait, il y a quelque chose qui permet de faire passer nos convoyeurs là, hop, donc qui fait permettre de, hop, de diriger tout ça en hauteur, de alors pas à travers, mais en fait si tu fais un trou dans les fondations, et ça passe à travers le trou avec un convoyeur. Ça c'est trop bien, c'est trop trop bien. Allez deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant on est reparti. Séance construction de une fondation là. Mais là je perds de la place. Ah ouais, ouais c'est ça, c'est pas... On va réfléchir mais en fait... Si je fais ça je perds tout simplement de la longueur. Enfin je perds pas de la place en fait. Mais sinon... En voulant gagner de la place en fait là j'en perds un peu, c'est pas terrible parce que je vais vous montrer. C'est que mon but c'est de récupérer la sortie de tout ça. Or je voulais le prendre de là, mais c'est pas bon. Quand je dis c'est pas bon, c'est pas fameux quoi, parce que ça fait traîner des convoyeurs tout le long comme ça en longueur. Ouais, j'aime pas, peut-être pas la meilleure idée, peut-être pas la meilleure idée que de perdre la place comme ça. À moins que tout simplement je décale. Ouais, je peux. Ouais, mais ça va même, non? Je vais pas construire par là, j'ai pas les 10 de nécessaires en place. Parce que là, je vois que. Voilà, si. Par exemple, je commence d'ici. Ah. Ouais, je commence à compter 10 d'ici, ça me fait décaler de 3 là-bas. Là j'ai de quoi faire la montée facilement. Il y a cette fondation là, enfin cette largeur de fondation là. Après est-ce que j'y gagne en place, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça c'est surtout la question, c'est est-ce que ça sert à quelque chose?
Rien n'est moins sûr. Le souci, c'est que je vais devoir refaire le tout quand j'aurai des extracteurs MK3. Après, c'est pas un moment, je suppose. J'y garderai l'idée des tâches pour plus tard. Mais là, pour l'instant, on va pas garder. Hein, pas garder. J'aime beaucoup le principe, justement, ça fait un peu. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'électronique. Ça fait le principe des cartes. J'allais dire des cartes graphiques. Voilà. Des cartes électroniques, en fait, je voulais faire le même principe que les cartes électroniques, mais à étage. Donc on va utiliser plusieurs couches et chaque couche aura. On peut en fait ouais, c'est travailler sur du multicouche. Ce qui est super efficace en gain de place quoi par rapport à du monocouche. Alors c'est plus chiant à faire, c'est plus chaud plutôt à faire. Pas chiant mais chaud. Mais c'est une efficacité drastique quoi. Alors que je coupe pas le câble. Que je coupe pas le câble qu'il a dit et qu'il le fait. Tant la hitbox était pas généreuse. Elle était généreuse mais pas dans le bon sens. Ouais, moi je vais continuer sur la longueur, c'est pas. Le seul truc c'est que ce sera un peu plus embêtant pour. Simplement pour la répartition des matériaux. Allez. Donc, j'ai une petite fiche à côté de moi. D'ailleurs, je vais arrêter l'usine. Enfin, je vais arrêter l'usine, non, je vais arrêter. Là. J'ai la place ou pas sur moi? Les barres d'acier et je vais faire derrière ce qui va m'être utile. Voyons voir les barres d'acier fil in, hop là. Merci monsieur. Voyons. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Comme je vous dis, vu que je veux du moteur, etc. en sortie, est-ce que sur la construction, je dis. Bah là j'ai un bloc, je sais pas par exemple de vis, là-bas j'ai un bloc de tuyaux, ici j'ai un bloc de machin, de trucs, etc. Ça c'est la bonne question. C'est une bonne question ça. À laquelle je n'ai pas encore la réponse. Là déjà je vais laisser ces deux fondations là. Parce que là imaginons que j'ai mon constructeur, hop, et là. Voilà.
Là, je lui dis, fais-moi des plaques de fer. Ça va parce que c'est 30 par minute. Mais si on est des vis, ce sera des tiges de fer. 40 par minute. Tiges de fer, etc. Et je vais me retrouver avec beaucoup plus de constructeurs en largeur. C'est pour ça à la base que je voulais faire un étage. Ça viendra peut-être au final. Mais on verra. Non. Là, on en a 30 par minute de minerai. On va commencer par les trucs simples. Non, par les trucs compliqués justement. Donc on va prendre les constructeurs. On va faire un premier... Hop. Première largeur ici. Donc qu'est-ce que j'ai au rang 1? À partir de fer brut, j'ai des plaques, des tiges, pas des vis. À partir du fer brut, je peux faire des plaques et des tiges. À partir des tiges, je peux faire des vis. Ok. Et vu que je vais partir sur les rotors et qu'il va me falloir du fil, je vais essayer de faire partir. Mon truc d'ici, ce sera plus proche du cuivre. Alors voilà, on va partir sur la moteur en premier temps. Rotor stator, tige de fer, vis, tuie en acier, fil électrique. Oh la vache, tuie en acier, fil électrique. Alors là, c'est pas le bon combo parce que tuie en acier, ce sera là-bas, et fil électrique, ce sera là-bas. Ouais, pas ouf. Ouais, pas ouf. Ah bah c'est ça que je peux faire. C'est ça que je peux faire. C'est une sorte de zone tampon intermédiaire. Et je produis. Là, ce que je vais faire, c'est je vais faire tous les constructeurs pour les pièces standards. Donc que ça soit plaque de fer, tige, fil électrique, béton, ça viendra plus tard, mais en gros, ouais, bah ouais, c'est ça, hein, tout, et tôle de cuivre, je vais zapper. Poutre et tuyau en acier, les vis, non, parce que ça c'est de la, ça c'est 12,5 par minute, alors faire le calcul, enfin. Vous avez une production de lingots, c'est 15, non c'est 30. Là on demande 12,5. Alors pour arriver en divisant que par 2 et par 3 à 12,5, bon courage. Parce que 30 par 3, ça fait 10. 10, il faut trouver 2,5, donc il faut que tu redivises par 2 et redivises par 2. Après, ça me permettrait d'avoir des productions de vis directement. Et en plus, là j'ai 50 vis par minute. Au niveau du lingot de fer, c'est bon. Au niveau du lingot de fer, c'est la même chose. Là, je serai à 50 vis par minute. Là où avec les vis normales, je suis à 40 vis par minute. Ouais, si, c'est quand même un gain de temps. Bon, je vais me débrouiller, je vais faire diviser par 2, 3, diviser par 2, diviser par 2. C'est pas cool, mais... Ah ouais, mais c'est surtout le problème, vu que c'est 12, 5. 12, 5, quand est-ce que j'obtiens un multiple de 30? Au niveau de la production? Je vais calculer
calcul. Je fais le calcul de suite. Si j'ai... quatorze productions de vis. Oh. Multiple de 30 direct, c'est 14 productions de vis. Sinon, si j'en fais 6, c'est pas trop mal parce que ça me laisse de quoi faire des tiges. 14, c'est énorme, 14. C'est vraiment énorme, 14. Ça me ferait combien? Cent vingt. Ah ouais. Ça me ferait grosso modo 180, un peu moins de 180 consommation de lingots de fer sur les 300 que j'ai actuellement. Ah, c'est un peu trop. C'est un peu trop. En fait, là, le souci, c'est qu'au niveau de la production, soit on est en dessous, soit on est beaucoup trop au-dessus. Parce que je pense que si on n'a que 6 machines, ça va pas le faire. On serait à 300 vis par minute. Vis par minute. Est-ce que c'est suffisant? En vrai, c'est vraiment pas des masses parce que ça consomme beaucoup avec le rotor, etc. J'ai pas fait les calculs, mais si rien que les rotors, rien que pour les rotors, il m'en faudra 300. Donc c'est pas assez en fait. Non, c'est pas grave, je fais. Je vais en faire 14. Parce que si je me trompe pas, 14 fois 12,5, 150. 14 fois 12,5. Oh non, bah non, pas du tout. C'est 12. 12 fois 12,5. Ça me va mieux, 12. Ça me ferait 600 vis par minute. Et ça me va mieux en vrai. Allez, on va faire ça. Ouais, mais c'est rien que ça, c'est déjà beaucoup. T'es en train de me dire, ouais, doute, allez. Mais attends, c'est déjà énorme. Et je vais empiéter un peu là-dessus. Hop, constructeur. Allez, c'est parti pour 12 constructeurs de vis. 2. 3. 4. 5, 6. Toi, je t'ai vu, tu t'es pas mis comme il faut. Je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vis moulée artère. Ah, vis moulée alternative. Merci. On aura une consommation de 150, donc il nous en restera 150. Pile. 150 fer utilisés avec des plaques et des tiges. Plaques et tiges, en vrai. Les plaques de fer. Je crois que c'est pas utilisé dans tant de trucs que ça. De regarder dans ce que j'ai noté. Les plaques de fer, c'est que pour les plaques de fer renforcées et les cadres modulaires. Donc j'en ai pas besoin non plus d'une chier de prod. Dit-il alors que.
Ah zut, j'ai bien mis vis, vis alternative. Vis moule alternative, hop. Donc les plaques de fer, ouais, ça consomme. Attends, j'en ai pas besoin de tant que ça. Attends, j'ai mal lu. J'en ai besoin de combien? 30 par minute. Par plaque de fer renforcée, plus. 3 par minute pour les modulaires. Oh, si, c'est bon, allez, tu sais quoi. Allez, mais 150. Ah, mais ça va vite, parce que là, c'est 30, 30. Je vais faire 4, je pense. 1, 2, 3, 4, ça fait combien? 90. Ah, oh, oui, mais c'est déjà beaucoup, là. Il me resterait 60 pour des tuyaux. Ah, mais 60 pour des tuyaux, ça fait 4 productions de tiges, je veux dire. Ça ferait 4 productions de tiges. C'est pas déconnant. Je crois. J'ai besoin de combien de tiges? Je suis à 20. Ah non, je suis à 60, 70. 82. Ouais, j'ai quand même besoin de 82 tiges de fer. Sachant que ça m'en donne 15 par minute. Oh. Et ben on est sur une impasse. On est sur une impasse. Parce que là on est sur clairement juste du 1 égale 1. Et 60. Là j'ai besoin de. Ouais, si j'aurais un peu de plat. En vrai, j'aurais un peu de rab en plaque d'acier, en plaque de fer. Non, ça va aller. 82, donc ça fait 80, 10, et encore j'aurais pas de rab. Ça c'est terrible. J'aurais très peu de rab. Après, est-ce que j'ai besoin de tant de tiges de fer que ça? Ouais, quelques constructions qu'on a, mais on a besoin, mais ça va. 90 tiges de fer, ça fait 2, 4, 6, 10 constructeurs de tiges de fer. Allez hop, c'est parti. 2, 3, 5 et 6. Constructeur de tiges de fer, donc on a 90, il me reste 60 fer, et là on dépasse déjà sur la prod de. C'est ça le souci en fait. C'est qu'on dépasse déjà là, comme vous voyez là, sur la prod de cuivre. Ah, c'est terrible. Même en ayant vu large, je me retrouvais avec un problème de place déjà. Je vais faire en double épaisseur. Qu'est-ce que j'appelle du double épaisseur? C'est que là. Là, celui-là, je le retire. J'ai réfléchi. Le but, ce serait de faire ça. Hop, on allume la lumière. Pas grand chose, c'est de faire en sorte que en gros j'ai
Hop, les convoyeurs qui passent comme ça. Que là en gros je fasse comme ça. Que là en sortant ça passe par au-dessus et ça arrive ici. C'est chaud là. Pourquoi j'ai supprimé celui-là? Non, c'est pas dû le supprimer celui-là. C'est de le faire le plus. Il va me bloquer par contre, il va me gêner sur la construction. De le faire sortir comme ça. Est-ce que ce sera bon? Ce sera pas bon. Je vais le rapprocher alors. Ah ouais, non, là par contre, c'est pas cool. Là, je méritais la place. Quoi. Non, là, c'est dégueulasse en travers. Là on est correct. Ouais, je vais pas avoir le choix. Hein. Faire un truc comme ça. Donc là. Grosso modo, c'est dire bah. Que là on rentre du lingot d'acier. Là on a d'autres entrées de lingots d'acier ici qui vont derrière. Là pareil on rentre du lingot d'acier, là il sort. C'est de la vis hein, ici hein, je crois. Voilà. Sort de la vis. Et en fait là-bas on se retrouve avec 4 arrivées de vis. Ouais, je vais faire comme ça. Donc là on a deux usines. On a fait deux usines. Donc je vais retirer une là-bas. Et comme ça on sera plus. Sera moins sur la largeur, sera plus sur la longueur. Ok. Donc là on va me répéter le même process. Voilà, effectivement, vous aurez peut-être des idées. Là, on est. Faudrait que je tourne à peu près les épisodes en même temps que je vous les montre. Il faudra pas hésiter à les dire en commentaire, même si. Vos commentaires, en fait, seront pas. Bon, je pourrais pas les prendre en compte avant quelques vidéos, vu que là, je les tourne vraiment pas mal à l'avance, parce que. Vacances. Mais je pourrais les voir quand même. Un peu plus tard et les prendre en compte, il n'y a pas de souci pour ça. Ok, donc là on est là, 1, 2, hop, et là. Ce qui fait que normalement on aura nos 12. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? On est trop là. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Non, c'est bon. Pile les 12. Ok. On a nos 12. On avec ça, cette méthode-là, on a de quoi faire. On a de quoi bien faire passer tous les convoyeurs. C'est pas un souci. Hop, d'ailleurs.
Voilà, toi tu pars. Ensuite, toute la partie là sera utilisée pour diviser, hein, de toute façon. Ensuite. Je disais. On a nos 12, bon, on va partir sur le même principe pour tout en fait. Nos vis. Et je vais dire combien? 6. Nos vis moulés. Hop. On va remettre tout ça, vis moulée alternative, vis moulée alternative. Pareil. Et il me reste 60. Et même en faisant comme ça, hein, vous voyez, même en faisant comme ça, ça déborde en largeur de fou. C'est dingue. Et il me reste, bah, vu qu'il me reste 60. Il me reste deux constructeurs de... Je l'ai mis comme il faut. C'est ce que je pensais. Plaque de fer parce que bah c'est 50 pour 20. Ah 50 pour 20. Ah merde. 30 pour 20. Attendez. J'ai dit qu'il m'en fallait combien? 6 plus... 30 plus 3. Ouf. 33, j'en produis 40. Effectivement, j'en mets pas beaucoup en rabat. On est vraiment peu en rabat. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais à partir de là, j'ai la production de toutes les ressources à partir de lingots. C'est ce que je voulais ici. Bah, ici, on va faire des constructeurs, mais bah, c'est que du fil. Non. Ça n'est pas que du fil, c'est beaucoup de fil et un petit peu de tôle de cuivre. Ouais, c'est presque que du fil, de toute façon. On va faire le même principe parce que faut dire que le fil ça va conso. Enfin, le fil ça va entraîner partout. Alors, petite question, tôle de cuivre, c'est du 20. Ah c'est terrible. Terrible. Je vais en faire... Je vais en faire consommer... Combien si c'est 60. Ça me fait que 3. Ah c'est beaucoup. Ouais, je vais en faire consommer 3. Je pense honnêtement que 3 fabriques de tôle de cuivre, ça sera bon. Alors. Bah ça va dépendre de combien. Je produis 240 cuivres en tout. Hein. Donc là, 240. Moins 60, je suis à 180. Et ça prend combien le fil? 15. Ouais, c'est bon. Ça fera 12. Oh, encore 12 décidément. C'est comme les 12 doigts de... arrête cette blague, les 12 doigts de la main. Allez, 3. 4. 5. 10. Tu vas avoir la place ou pas? Oui, j'ai envie d'avoir la place. 9, 10,
Ah, je les ai mal placés, terrible. 11. 12. Ouais, là, je les ai décalés d'une. Pas grave, c'est pas grave. Hop. Hop, voilà. Donc là, on aura que de la production de fil électrique parce que le câble se fait à partir du fil. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, comment je peux en avoir 12? C'est pas logique, mais non, non, il me manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, bien sûr qu'il m'en manque. Oh non, j'ai décalé mon usine. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. Hop là. On fait. Ouais, non, en fait, il me faut absolument la place ici pour laisser des répartiteurs, etc. J'ai pas le choix. Allez, 1, 2, 3, donc là les 3 tôles de cuivre. Je l'avais mis un peu trop, non. Je l'ai mis trop près, mais c'est bon. 5. 6. 5, 6, 7. Comment je peux me tromper à ce point-là? Deux fois d'affilée en plus, hein. 8. 9. 10. 8. 9. 10. 11. 12. Eh ben, il faut pas que ça prenne plus de place, hein. Vraiment. Faut pas que ça prenne plus de place. J'ai le droit à un constructeur de plus. Et pourtant, là, il y a des efforts faits sur. Vous imaginez, hein. La place que ça m'aurait pris en plus, sinon. Terrible. Alors. Il faut que je place mes répartiteurs. Donc, si je veux faire un truc propre. Après, on verra. On a une consommation de 60. Donc là, je vais relier les deux. Et où c'est là? C'est répartiteur? Non. C'est le coupeur de convoyeur. Hop. J'ai rien qui sort de ça? Comment ça se fait que j'ai pas de cuivre qui sort de là? Ah mais oui, j'ai totalement oublié. J'ai
J'ai totalement oublié qu'il fallait que j'aille chercher la... Merde! Ah ouais... Moi j'ai du stock, il y a du minerai quoi qui vient. Bah non, pas dans celui-là. Bon, je vais mettre la foreuse. Sinon ça va me perturber. Hop. 1, 2, ça, et il me faut des cadres modulaires. Ah c'est ballot, il me manque dit. Cadre modulaire, j'en ai pas quelque part. J'ai mal regardé celui-là, non. 1. Alors 1, ça va pas, on va pas aller très loin, surtout que ça se fait 2 par 2. Cadre modulaire, ça me... Ah oui, ok. Bon. Ça va. Alors, je vais en faire 10. Et je vais tirer les convoyeurs après. Sinon je ferai en même K3 maintenant que j'ai de l'acier. Ça me coûte moins cher pour l'instant de l'acier que des plaques de fer renforcées. Oui, faut pas chercher à comprendre des fois. Alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Oui. Ensuite, c'était par là-bas. En espérant que ça soit pas un gisement temporaire. Normalement ça devrait s'afficher, c'est un gisement temporaire. Parce que l'autre là il est loin quand même. Je vais tirer un câble. Il est où, il est là, ok, bon. J'ai pas trop le choix. Ah, et oh, et... Alors tu veux pas te mettre là, mais tu veux te mettre à moitié dans le vide? Ouais, c'est pas cool ça. Je peux mettre en haut d'un arbre, pourquoi pas. C'est de l'eau. Câble trop long. Oh non. Vraiment? Oh, il est où le cuivre? Il est là-bas. 100 mètres, ça va. Attends, s'il est là-bas, alors je fais. Je vais tirer le câble plus là-bas. Ah, il était long quand même. Il est pas très loin des. Centrales, j'ai l'impression. Douze mètres. Alors, est-ce qu'il est en hauteur ou pas? Elle est où? Oh non, me dis pas que c'est ça. Non. Attends, mais il y a un truc dessus là. Non, c'est bon, il est là-bas. Ok, il est pas en hauteur. Je crois qu'il y avait une sorte de champignon de pierre dessus, mais non, 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 pas du tout. C'est un effet d'optique. Bon, par contre, il est en zone hostile. Hein. Donc, on va prendre notre cogne d'Izenos. J'ai cru voir quelques monstres. C'est quoi ça? C'est hostile ou pas? C'est pas hostile ça. Oh oui, c'est du minerai de cuivre pur en plus. Mais ça va changer. Wow, c'est quoi ça? Ah non, c'est un déjecteur de plasma ça. Ah bon, c'est pas grave. Mais foreuse. Dans le bon sens.
Et elle, Amine, 120. Oui, ça va. C'est quoi alors la différence entre du pur et du pas pur? Je ne sais pas que ça produit plus. C'est bizarre. Ouais, on va devoir tirer notre notre convoyeur. Je prends le K3, c'est moins cher. Étrangement. Sa propre aussi hein, quand même au minimum. Sol est trop incliné, comment ça? Oh, il est incliné, incliné, franchement là tu chipotes. On va y faire un petit plongeon là. Voilà. Alors voilà presque, mais voilà. Petit, petit oubli de ma part hein, concernant le la foreuse. Okay, là on a 120 divisé par 60 tout wisdom. Bon, ça jugule pas assez. On a 100. C'est 60 les normaux. C'est quoi le délire? Pourquoi ça fait. Ça bloque? Ça produit plus que 120? Elle va produire plus que 120? Même le convoyeur, ça prend 120, c'est quoi le délire? Pourquoi ça bloque? Ah non, mon convoyeur il prend K3, donc il prend 270. Mais même qu'il prenne 270 ou qu'il prenne 120. Foreuse elle produit que 120, on est d'accord, à moins que ce soit du pur et ça produise plus, mais il me semble avoir lu 120. Ah c'est 120. Ah non parce que ça bouchonne, 120 c'est ça, ok, ouais. Ok, 120 c'est ouais. Parce qu'il y a une petite accumulation. Ok, bon ça me va. Ensuite, on avait un regroupeur qui en a 60, donc on va faire un répartiteur. Faut vraiment que ça soit, moi, faut vraiment que ça soit le plus collé possible. Ouais, collé en face aussi. Oula. On a 60 donc on peut rester sur 2 MK1. Ok. De faire sa propre quand même. 1, 2, 3, 4. Ok. Comment on avait. Putain, c'est à l'autre bout. C'est vraiment à l'autre bout quoi.
Ah, c'est terrible. Si on avait fait ça en vrai. J'avais fait ça. Ah. Ah. Et ça. C'est comme ça, hein. On te... Je suis pas sûr. Je vais retourner voir. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît pas propre. Ah, je pense savoir. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. J'ai décalé j'ai envie de dire une case. Ah, si on peut appeler ça une case. Mais l'équivalent d'une d'un tic, je ne vais pas dire. Hop, lui il était bon, mais ici. Donc même principe. Hop. Hop, 1, 2. Ah, par contre, j'ai du cuivre, ça passe là-dedans. Voilà, ce qui fait qu'on a 60. On a 30 plus 30, 60 divisé par 3, 20, 20, 20. Qui est pile la conso de ça, oui. Ok, ensuite. C'est du fil, c'est 15. Donc là j'en ai un, je divise par deux. Ça va. Ça c'est que du divisé par deux ensuite. Alors. Ah bah là ça va en fait, regardez, il y a même de la place ici. J'en profite parce que j'aurai pas tout le temps de la place. Est-ce qu'on est droit? On est droit. Impeccable. Voilà. Vraiment, c'est. On est sur le principe du gain de place là. D'ailleurs, je suis en train de me poser une question. J'ai pas fait le. Non, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai pas fait le retour, mais là on a toutes les alimentations, on fera les sorties après. Là, bah on a un diviseur encore. Voilà. Hop. Et ma sortie. J'ai vraiment pas les trous en face des yeux, moi, des fois. Alors, des trous en face des yeux ou les yeux en face des trous? Et moi, j'ai un pote, il se moque de moi quand je dis les trous en face des yeux. Et moi, j'ai toujours entendu ça.
Ah, pour moi c'est parfait ça en plus. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça là. Hop là. On voit que ça touche. Bon, peut-être un petit bouton là, mais un petit truc de lumière, mais c'est tout quoi. Au pire. C'est vraiment pas grand chose. Hop. Hop. Bon là c'est un peu abusé par contre. Ça va être un là. Voilà. Voilà. J'avais C'est pas beau. Et puis là, c'est où c'est là? Je suis pas sûr de ma connerie. Je suis pas sûr du tout de ma connerie. Là. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. On arrive, on arrive. Ce qui fait que là, hop. Non, de l'autre côté. Merci, monsieur. Voilà. Ça s'organise, ça s'organise. Bon, c'est pas encore magnifique, mais c'est pas mal en vrai. Là, on gagne de la place en largeur. Hein. Bon, bah, va falloir répéter l'opération pour tout le long. J'ai pas fini. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Clairement, clairement pas fini. Hein. Oh là là. Et puis ça se rattrape petit à petit. Mais c'est pas très vrai si ça rattrape. Ah, ça c'est pas cool en vrai. C'est vite, je vais perdre de la place. C'est un groupeur. Non, c'est pas ça que je veux. J'en face ou pas? Oh. Oh miracle. Donc quoi, tout est possible. À un moment donné, jamais dans la vie, tout est possible. Et là du coup je décale, comment ça se fait? Comment ça se fait que là je décale? Ah si c'est normal, ça revient, ouais ouais ouais. Ce serait bien qu'il arrive là donc tac tac là c'est pas sûr non. Ok c'est hop on va vider ça on a rien vu Le problème c'est la largeur en fait. Je suis en face, ouais, parce que là ça colle de plus en plus. En fait je crois que à chaque fois je colle de 1 de plus. Ah non même pas, ça a l'air d'être correct. Je saurais pas dire en vrai. Ouais, je revois du début mais... Hop là. Alors oui j'aurais pu faire un seul passage avec un truc en hauteur mais j'aime pas je préfère là ça, c'est très ça fait très jardin à la française parallélisme etc.
jardin à la française, mais avec des machines. C'était original, comme même. La nature, la mécanique, étrangement. Là. Là, ça me posait problème. Je suis décalé de 1 alors. Voilà, gain de place à fond, hein. C'est... Oh la vache, le chantier bonde là. Là là là. Là. Ça va être bon, hein. Ouais, c'est... En vrai, c'est pas si moche. Et même, je trouve ça très organisé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt... Alors oui, il y en a partout. Mais c'est... Ce qu'on dit, c'est une usine à gaz. Mais en vrai, une usine à gaz... Bon... on passera sur le fait écologique et tout le bazar. Mais c'est pas si mal organisé. Il y a des tuyaux partout, mais... En général... On sait ce que ça fait, les tuyaux. Oula. Alors là, par contre, ça va être tendu. Ah, mais j'ai de la marge. Oh, je peux m'attendre plus. Hop. Faisons-nous plaisir. Ça passe, là. Ouais, non, ça passe pas. Ouais, c'est bizarre. Attends, c'est bizarre quand même ce truc là. Pourquoi là d'un coup. Pourquoi là d'un coup je me retrouve décalé. Ouais, bon, bah c'est bizarre cette histoire. C'est pas grave. Hop! D'ivoire, est-ce que j'aurais-t-il fait de la merde à un moment? Bah oui. Bah oui. J'ai compté pour 242 prod. Ce qui fait que là... Bah je vais avoir 4 fonderies en trop. Ah là là, tout se déroulait un peu trop bien. C'est pas ouf ça. C'était pas prévu. Ça n'était même clairement pas prévu. Va falloir trouver une astuce.
avoir trouvé une petite astuce. Parce que là. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai encore cinq là qui. Bon là c'est simple pour mettre une là, mais c'est pas assez quoi. Bon, on va voir. On va voir une fois que j'aurai rempli, ce sera plus. Ce sera plus clair. Hop. Mène quand même de plus en plus loin. Hein. Allez. On va coller au maximum parce que là je sens que niveau place. Mais c'est vrai que je peux le faire de l'autre sens aussi. Ça. Ok, pas ouf. Parce que... Voilà. Et là, il me reste une. Compliqué, compliqué, compliqué. Le vrai challenge commence maintenant. Déjà j'ai presque plus de place à la sortie de mon... de mon répartiteur là. Ah. Ah ouais j'ai vraiment presque plus de place. Hein. Là vraiment c'est... tu tournes direct quoi. Bah. Ok. Bon. Après en soi c'est pas très très grave. Ça, je pourrais faire cette partie là un peu plus loin. Là 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 là, quand vous voyez tout ça. Oh là, attendez. Que ça va vous sinon? Pourquoi j'en ai un qui est là-bas là? Ah oui c'est vrai, c'est normal. Ce sont les tout premiers. Bon. Ils font quoi eux? Plaque de fer. Plaque de fer. Bon on a alimenté tout ce qu'on a alimenté et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va me rester 7 arrivées là.
J'étais en train d'améliorer, mais je vais juste aller faire passer là. Le problème, c'est que là, j'en ai deux qui arrivent. Ça me demandera peut-être de refaire. Là, il faut que je sois bon. Là, le but, c'est d'être très bon. Parce que si je veux en rajouter en longueur, là, en mettre d'autres, ça va être compliqué. Mais pourquoi je me prendrais la tête à faire plus que ça? Moi, je suis content. Parce que là, mon but, ça serait simplement d'amener deux autres trucs comme ça. Ça risque de faire ouais, ça risque de faire épais par contre. Après je me débrouillerai hein, en soi, mais et que là en fait cela aille alimenter une troisième rangée. D'ailleurs, pour me simplifier la vie, je vais faire un exemple, mais hop. Ils arrivent là, eux ils arrivent là, et lui il arrive là. Je peux pouvoir gagner de la place. Je vais me tromper, c'est là. Je me disais aussi. Bah. C'est bizarre quoi. Ok. Bon, bah, j'aurais dû. Que là, ça arrive là. Que là ça arrive comme ça. Pas moyen de faire un peu plus propre. Je sais pas si ça marche en hauteur. Yes. Ok. Bon, ce sera un test, hein, bien évidemment, ce sera à refaire. Alors oui, la bonne question là, c'est pourquoi je me casse la tête à croiser. Alors que je pourrais juste dire bah tout droit, tout droit. Excellente question. C'est là, vu qu'il va y avoir des constructeurs supplémentaires. Bah lui. Comment j'avais fait ça, hein? J'avais fait un truc comme ça, je crois. Hop. Hop, je vais aller dire bah lui là. Il va là-dessus. Ah, je l'ai mis à l'envers. Là ça y est comme ça. Que lui, vu qu'il a déjà récupéré son truc, bah il va se barrer. Il va se barrer par là quoi, normal. Et ça, ça vient de la hauteur. Alors je sais plus exactement comment j'ai fait. Ah oui, si, je me suis pas pris la tête. Hein. Que ça fasse. Hop, coucou. Coucou. Là normalement je vais pas avoir besoin de croiser une deuxième fois.
voire même. Ah. Non. Non, non, je réfléchissais à un truc, mais non. Je voulais regrouper. En fait, le regroupement, il se ferait là, et autant le faire après. Parce que là, j'aurais 6. Donc, je mets deux fois deux regroupeurs à 3, et voilà. Il fait que là. Alors, c'est compliqué, mais c'est fonctionnel. Je vais voir pour prendre de la hauteur et vous montrer. C'est où? C'est où le truc? C'est dans le logistique? Organisation? Ah. Tour d'observation. La tour, j'ai loupé les escaliers là, enfin l'échelle, voilà. Et si on prend de la hauteur, alors oui, ça a l'air d'un, on dirait, vous savez, les autoroutes là dans les grandes villes, dans les mégalopoles. en vrai de vrai, ça a vraiment pas l'air d'être ça, enfin, surtout cette partie là, pas là-bas. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une arrivée. Non, bah c'est surtout que là, pour voir, c'est peut-être un peu... Peut-être pas ouf, de haut. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais voilà ce que ça donne de haut. D'en bas, je vais aller sur... Hop. Donc on a 6 arrivées. 1, 2... Bon, là on aura 3, 4, faut imaginer, 5 et 6. Ces deux constructeurs là sont direct alimentés ici, vraiment devant, hein, comme il y a actuellement. Donc via ces deux conducteurs, ces deux convoyeurs. Et en milieu, on fait passer 3 convoyeurs avec de la matière première, donc avec des lingots. Donc là, les lingots, ils arrivent sur ces conducteurs, il n'y a pas de problème. Ce qui fait qu'à partir de là, ça nous sort le produit fini. Celui-là, également. Les 4 au milieu sont des lingots, comme vous pouvez le voir en partie, et vont alimenter les convoyeurs après. Ça, c'était déjà prévu. Or, les deux du milieu... là en sortie, je veux dire, les deux du milieu ont encore non, pardon, là on a un terce changé, donc ceux du milieu deviennent ceux des bords là, des bords du milieu, j'ai envie de dire, et et le produit fini devient le milieu. Ouais, c'est voilà, un peu compliqué, mais je pense que vous suivez. Ce qui fait que ça, on a le produit fini. Donc toutes les rangées du milieu, ici, là, sont des produits finis. Là, on rentre les derniers lingots. Ici. Et là. Donc dans les deux derniers convoyeurs. Constructeurs. Et ce qui fait qu'ici, à partir de là, bon là je continue pas parce que... Parce que ce sera à faire plus tard. On n'aura que... du produit fini, et on aura 6 lignes de produit fini sur 3 de largeur. Et là, je pense qu'au niveau opti, il y a peut-être moyen de faire mieux, hein, en mettant en hauteur, etc. Mais là, je pense que c'est pas mal propre. Et bah, ce qui fait que... terrible. Le truc aussi, c'est il faut savoir, j'ai peut-être fait ça pour rien. Ouais, dans... Oh merde, je suis en train de penser. Mais dans le sens où ce sera peut-être pas aussi large que ça, vu que je vais gagner de la place. Mais dans tous les cas, je vais devoir refaire une bonne partie de tout ce bazar. Mais forcément, je vais devoir tasser un peu plus.
Donc ouais, là tous les convoyeurs vont sauter là. Tout ce que j'ai fait va. Une bonne partie de ce que j'ai fait va sauter. Je vous fais pas l'affront de tout refaire avec vous. Là j'en ai pour. J'en ai, je pense, pour facile 2-3 heures. Bon, même si là c'est. Vu que mon pattern est trouvé, ça me devrait prendre un peu moins longtemps. Là va falloir que je retire tout. Ce sera, je pense, prêt au moins. Alors, juste la première partie, hein, mais prêt pour le prochain épisode. Bon, dans celui-ci, on n'aura pas tant avancé que ça, hein, au final. On n'aura même pas avancé du tout. Alors, c'est pas vrai. Ce sera mon petit mot de la fin. C'est. Là, on pourrait se dire, on n'a pas avancé. Le travail n'a pas avancé, tout simplement, bah, parce qu'il y a. Là, je vais retirer en fait une grosse partie de ce que j'ai fait à part les constructeurs. Or, c'est faux. Voilà, si jamais. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que on a trouvé le moyen de construire la suite. On a trouvé le moyen de faire la suite. On a trouvé ce qui nous bloquait. On a résolu un problème. Alors certes, le fait de résoudre le problème nous a pris un certain temps, et là actuellement on n'a pas eu de production. Le problème a fait qu'on n'a pas, on n'a pas avancé, on va dire, dans la chaîne de production directe. Mais le fait de résoudre ce problème, bah, nous permet de débloquer justement cette chaîne de production, et même accélérer plus tard, maintenant qu'on a le pattern. Donc le pattern, la suite répétable pour construire le reste de l'usine, et ben on va pouvoir avoir de la production. Alors c'est. Oups. C'est pas forcément le mieux expliqué. Mais le principe, c'est ok, on a été bloqué, mais on a trouvé une solution à notre problème, et ça, bah, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et maintenant, bien sûr, par contre, là, ce qui reste à faire, c'est de mettre en œuvre la suite et de prouver que ça marche. Et le faire proprement et si possible, efficacement, rapidement. Et voilà, et si jamais un jour un patron ou qui que ce soit vient vous faire chier en vous disant ouais mais là ça va pas avancer, gnagnagna. Regardez ce qui a été fait, et grâce à ça on va pouvoir avancer clairement mieux. Voilà. Parce que les patrons, ça voit quoi? Alors, généralise l'efficacité, ça voit, ah ça produit pas, c'est pas bon. Eux ils sont en bout de production, c'est pas leur taf en même temps. Ils sont en mode moi tant que ça sort pas, c'est que ça marche pas, c'est pas bon. Alors, ils ont à la fois raison, à la fois tort. C'est que leur but, hein, c'est de vérifier que l'ensemble marche. Et quand il y a un problème sur une partie, enfin, ouais, quand il y a un problème sur une partie, ça fait que l'ensemble ne marche pas. Et que eux, en bout, bah, ils voient que ça produit pas. Après, le pourquoi du comment, pas tant que ça leur problème. Enfin, en fonction de pourquoi, si c'est mécanique, enfin, si c'est machinerie, etc., c'est pas leur problème. Et bah, il n'y a plus qu'à répéter ce dit pattern. Je vais vous laisser là pour la vidéo d'aujourd'hui, 1h49, décidément, j'ai l'impression que j'essaie de battre des records, et même pas. Et c'est vrai que c'est de la réflexion, donc forcément ça prend un peu plus de temps. Bah j'espère quand même, voilà, que ça vous aura plu. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je dis ça. C'est pas grave, on va le faire une dernière fois. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob.